Linda Lénager présente Le langage de la vie. Alors la nature est merveilleuse et dévoiler son amour à ceux qui nous environnent, c'est juste une déclaration d'amour à ceux qui demandent injustement beaucoup d'attention, beaucoup plus d'attention de notre part, de l'amour, de l'attention et de la protection. Alors aujourd'hui, nous apprenons même que nous pouvons communiquer dans le silence le plus complet avec des arbres, avec des fleurs, des animaux. Il se passe dès lors une sorte de connexion. Tout devient plus léger et magique. Ce qui veut simplement dire que vous êtes en connexion directe avec la vie. Le langage du silence, comme celui du regard, le langage des mains, tout comme celui du toucher, ce sont des langages qui peuvent traduire bien des émotions en fonction du message que nous souhaitons passer, que vous souhaitez faire comprendre. Parfois, il suffit d'un regard pour se faire entendre. Parfois, il suffit d'un geste pour décrire des mots enfouis et apporter autour de soi le petit délice de la vie. Alors extrêmement sensible, vous devenez un être hyper réceptif à tout. Ce langage particulier est aussi un langage que l'on peut avoir avec un proche malade, une personne infirme, une personne en fin de vie. Mais encore, ce langage est aussi celui que l'on peut avoir avec des animaux de compagnie. Et quand bien me comprendront, ils connaissent ce pouvoir que nous pouvons avoir à bien des dimensions. Alors il suffit non pas des mots, mais des attentions, des regards, des gestes, des attitudes qui marquent chaque être en ce monde. Vous devenez dès lors d'une extrême sensibilité. Ainsi, vous apportez en fonction de votre ressenti, de votre cœur, dans toute sa symbolique de l'amour pur et simple, ce dont il manque tant dans ce monde. Alors oui, il y a des langages particuliers à mettre plus souvent en avant pour les bienfaits, pour le bonheur et le soulagement qu'ils apportent également. Comprendre que nous sommes tous des êtres réceptifs et que chaque onde, chaque façon d'être a son importance pour tous en ce monde. Ce langage si particulier est un don. Ce langage si particulier est le don que nous avons tous à bien des niveaux. Le langage de l'amour. Vidéo et texte de Linda Lénager, auteur, thérapeute en médecine douce.